qu'on veut pas. Donc il va y avoir des choses. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est combien les classeurs pour vous, s'il vous plaît? 5 euros, mais ils sont vides. Hein. Ah, ils sont vides. Ouais. C'est tous les deux sont vides. Ok. D'accord. On est là. Non, c'est tout ce qu'on a. C'est une pochette vide, c'est ça? Oui, c'est une pochette vide. Ok. Ouais. C'est pas des titres qui m'intéressent. Non. Merci beaucoup, hein, bonne journée. Oh, pardon, excusez-moi, désolé. Au revoir. Bonjour, c'est combien les mangas? 300 pièces. Et tout l'eau, ça serait combien? Ça, 50. Ok. Il n'y a pas le numéro 1. Ok, bon, je fais mon petit tour et puis. Super. Et l'album de cartes Pokémon là? Ah oui, d'accord, oui, il n'y a que. Ah oui, d'accord, je crois qu'il y a tout. D'accord. Bonjour. Par hasard, vous vendez pas les jeux vidéo parce que je vois que vous avez des accessoires. Les jeux vidéo? Oui. Là, c'est des DVD, ça? Non, non. Ah, ils sont là, qu'est-ce que je suis? Des lights. Et ah oui, d'accord, ils sont juste en dessous. Oui. Alors, je mets ça comme ça. Déjà. Après, c'est que des DVD. Ouais. Ok. Bon, bah merci, hein. Bonne journée, au revoir. Bonjour, tu fais combien? Les deux. Ah non, 40, moi j'ai pas envie. On partira jamais. Ah, 40, non. Jamais de la vie partira. Ah, 40 euros. Bon. Je ne mettrai pas 40 euros dans un jeu d'occasion. Ok, merci. Au revoir. Ouais, c'est vrai, c'est bon prix, oui. Vous avez que ça ou vous en avez d'autres? Non. Bon. Ok. Moi je te prends celui-là. C'est combien tout l'album? L'album, c'est 1 euro la carte, mais ensuite il y a des lots. Si vous faites si je vous prends l'album, vous mettez combien? Il y a des garde-foot. Un peu. Ok, bon, je repasserai. Merci, bonne journée. Bonjour, vous les faites à combien les cartes? Tout le paquet là. Tout le paquet. Ça à combien? Vendée X-Size. Ouais. 5 euros le paquet, ça vous va? Vas-y. Ça vous va 3? 3 euros le paquet? Ouais. Ok. Ça vous avez encore? Bon, ça va. Trois euros, vous avez dit. Oui, il m'avait dit paquet. Non, non, pas de un sachet. Ah, mais alors c'est 3 euros le paquet, donc je prends pas.
3 euros. Ça, on joue ou c'est vous? Bonjour, vous avez que ça, on joue ou vous en avez d'autres? Ça, ok. Merci, hein, bonne journée. Au revoir. Alors, les Xbox 360, c'est 1 euro. D'accord. Les Xbox One, c'est 5 euros, mais après, je fais les packages. Si vous pour ouais, ils sont, la plupart sont tous encore sous le. Oui, j'ai vu. Ok, merci. Allez, tout le lot, on fera combien tout le lot? Tout le lot? Ouais. Il doit y avoir une trentaine de pourrais je pense. Ah non, mais là, il y en a 80. 80 ? Ah, il y en a en dessous ? 80 ? On est aussi là. On est aussi. Aussi là. Peut-être pas prendre tout le lot, non. Ouais, non, peut-être pas prendre tout le lot. Parce que j'ai pas vu qu'il y a autant de jeux de foot et des basket. Bah là, il y a un peu de 360 et de. Bon, je vais les mettre titres. Comme ça sera mieux. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeux de. Ouais, dis, c'est combien les jeux de Xbox One? Xbox One, c'est 5 euros. D'accord, si avancé. Faire un lot pour tous les jeux de Xbox One. Déjà, c'est encore en français. Xbox One. Xbox One, ouais. Donc là, j'en ai 2, 4, 5. 3, 8. Normalement, c'est 40 balles, je fais à 20. Ça vous branche. On regarde les Xbox 360. Ah non, j'en ai un autre. Xbox One, j'en ai un deuxième et un autre Xbox One. Ok. Donc je vous ai dit 20, je voulais faire 25. 25, 25. Je regarde, réfléchis. Petite durant des villes. On va faire un tri. Peut-être les jeux de sport là. Non, les jeux de sport déjà. Je vais éviter. Ouais, jeu de sport. Déjà, je retire. Je retire celui-là. Je retire celui-là. C'est pour un. À 5 euros ? Ok, 5 euros. 5 euros, madame. Pas en dessous. Là. Non. 5 euros. Les 11 de poids sont à 3, les 3 sont à 2 et les 3 sont à 1. Ah, j'en ai pas. Moi, je pense que je vais prendre cela. Regarde. Ah, pour le Mass Effect. 2 euros. J'en ai retiré, hein. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça, 2 euros. 3 euros. 2, 4. La plupart des jeux Xbox 360 c'est 3 euros à part certains. Ok. Xbox One, c'est... D'accord. À part le... Vous n'avez pas des jeux PS3 par hasard? Ouais. C'est bizarre ici à Courbevoie, il n'y a personne qui est. Personne qui a PS3. Il y a plus de rééditions. Il n'y a que de la Xbox chez à Courbevoie. Hein. Ouais. Bizarre. Un gros fan de Xbox. Ouais, je vois ça. Ah, j'en ai récupéré, il y a de la Xbox. Hein. Alors. Vous êtes sur TikTok ou YouTube ou... Oui, sur YouTube. Ouais, c'est Real Gamer, oui, parce que t'as vu déjà filmé. Ouais, c'est ça. Ah, si tu veux me rajouter, c'est le Real Gamer sur, sur YouTube. En plus, avec un C. Gens, ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Là, c'est DVD. Ah, oh, l'interface. Et là, c'est massacré à la tronçonneuse, ça. Hop, ça massacre à la tronçonneuse ici, massacre à la tronçonneuse. Je crois qu'on a un autre là, il me semble. Ah non, pas pareil. Allez, je oui.
Hop, j'en ai 56. Merci, oui. Salut et bienvenue sur la chaîne du Serve Gamer pour le compte rendu de cette brocante qui était située à Courbevoie à côté de la gare de Bécon. Je connais très bien, j'ai fait plein de fois cette brocante aussi. Donc du coup c'est parti, c'est un peu dans le désordre parce que j'ai tout mélangé, donc je sais plus qui était avec quoi, donc je donne un peu au hasard hein, ce que c'est. Donc on va commencer par... On finira par le meilleur, bien sûr. On commence par une Xbox 360 avec deux manettes qui sont complètement éclatées, bon... Hein, vu le prix que j'ai payé, franchement, ça va le coup. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est, l'autre manette, il y en a deux. Donc il y a une manette comme ça, et puis une autre deuxième manette, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc c'est pas grave, elle a dû tomber du sac, elle doit être ailleurs. Je vais faire tomber de l'autre côté, bon, c'est pas grave. Du coup, c'est la Xbox, ça doit être la scène de 2008, il me semble. Est-ce que c'est ça? On va y voir. Ouais, c'est 2008. Alors c'est le 3 août 2008. Vous voyez sa date, donc je donne pas cher de son fonctionnement, à mon avis elle doit pas fonctionner vu le prix que j'ai payé. Donc du coup on verra s'il y a un jeu dedans. Vous voyez la partie elle est blanche, à mon avis elle doit faire le Ring of the Dead. Et on verra si elle est la première interface de mise à jour, parce que beaucoup de la recherche cette interface de mise à jour. Il y a un disque dur à intégrer dedans, peut-être qu'il y aura des jeux. Bon déjà, vu le bruit que j'ai entendu là il y a un instant, c'est déjà pas bon signe. Bon avec ça il y avait des jeux mais je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je crois qu'ils sont, voilà, il y avait là, il y avait ceci, voilà, il y avait ceci, le Pro Evolution Soccer 5, bon c'est un basique, un classique, vous connaissez, tout le monde le connaît, ça sort sur PS3, sur PS2, sur machin, je sais plus, c'est un peu de la merde. Bon, il y avait quand même aussi ceci, le Xbox Live Arcade, donc ça c'est toujours intéressant pour l'échange, tout ça. Ça peut le faire. Donc j'ai payé la Xbox plus ces jeux, et je crois qu'il y en avait un autre. Je l'ai payé 10€. Donc ça reste très raisonnable. Alors j'ai récupéré aussi, voilà, un jeu Wii. D'ailleurs c'est le premier jeu que j'avais récupéré dans cette grenier à Courbevoie. C'est le Sonic and the Secret Rings. Donc il est en français, bien sûr, comme d'habitude. Et je l'ai payé 5€. Bon, j'aurais pu le négocier un peu plus. Bon, il est super état, par contre. Ça c'est génial, il y aura juste la boîte à nettoyer parce que là je vois qu'il y a de la poussière, c'est dégueulasse. J'aime pas ça. Donc ce Sonic là j'ai jamais testé, donc ça sera l'occasion. Celui-là je vais le garder pour la collection. Là, par contre je sais pas pourquoi il y a un truc gris ici là. Vous voyez, alors attendez, je vais faire la mise au point. Voilà, il y a une espèce de truc gris. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il manque quelque chose là. Je sais pas, il y a dû y avoir une erreur, on a l'impression. Donc c'est le Sonic and the Secret Rings sur la Wii. Et dans cette brocante, c'était la journée de la Xbox, hein, vous avez pu voir la Xbox avec quelques jeux. Et ben c'est pas fini, il y en a encore. Donc j'ai récupéré en promotional copy le Mass Effect 3. Alors la couleur c'est tout à fait normal, c'est pas des lavés, c'est fait comme ça, c'est fait exprès, hein, ils sont tous comme ça. Hein. C'est fait, c'est promotional copy, ils ont l'air de délaver mais ils sont pas délavés. Hein. Donc il est sous blister, c'est le Mass Effect 3, compatible avec le Kinect. Il est en anglais, donc ça partira à l'échange ou à la vente. Celui que je vais garder, c'est le Resident Evil 5, parce que je suis un vrai fan de Resident Evil. Hein. Donc là, il est sous blister, il est en anglais, mais on s'en fout, parce que de toute façon, le jeu est en français, et puis de toute façon, je ne vais pas le déblister. Et le dernier jeu Xbox 360 que j'ai récupéré en blister, en promotional copy, c'est le Cameo Element of Power. Pareil, c'est en anglais, mais on s'en fout. Comme je vous ai dit, le jeu est en français à l'intérieur. Et là, maintenant, on va passer à la One. Xbox One. Donc il y a un seul jeu qui a été délisté, il me semble que c'est celui-là, voilà, il est là. C'est le Dirt Rally. Comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est. Vous voyez, ils sont aussi délavés un petit peu, mais c'est fait exprès. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bah, c'est un CD blanc avec juste marqué Dirt Rally et Promotional Disc Not For Resale. Normalement c'est ne pas vendre. Bon, je l'ai quand même acheté. Donc c'est de l'illégalité normalement à la base. On s'en fout. C'est une brocante. Hein. Donc il est en anglais. Le jeu est en français à l'intérieur comme d'habitude. Et en plus, il faut savoir que les jeux sont dézonés sur les Xbox et sur les PlayStation. Donc c'est fini les zones. Maintenant, on passe à Xbox One, mais sous blister. Donc là, c'est toujours le promotional copy.
c'est le Need for Speed en anglais au niveau de la jaquette. Pareil, j'ai récupéré le Kinect Sport Rivals. Celui-là, c'est pas un professional copy, il est là en français. Après, c'est encore de la copie, un professional copy. C'est le Battlefield 1, le Far Cry 5, le Dirt 5, il y a beaucoup de 5, hein. Le Far Cry Primal et le Battlefield 1 pour la deuxième fois en promotional copy. Donc tout cela, ça va partir à l'échange ou à la revente, hein. Peu importe. Il y a juste le Resident Evil 5 que je vais garder de côté pour moi et le reste, ça part à l'échange et à la revente. Et là, on va passer au suivant. Donc encore de la 360 et de la Xbox One. Décidément, c'est la journée. Hein. Donc j'ai récupéré une autre personne qui avait plein de jeux. Je lui ai demandé de me ramener parce qu'il avait d'autres jeux. Il m'a dit qu'il avait d'autres jeux. Donc il m'en a ramené d'autres par la suite. Donc en attendant, j'ai récupéré le jeu Xbox 360 deux en un. Donc on a le Pure et le Lego Lego Batman, The Video Game. Donc on a les notices de Pure et de Lego Batman, ça c'est bien. Et on a les deux CD, pareil que sur la Xbox One. Enfin, il faudra que j'efface les numéros, là. Il y a des numéros c'est écrit dessus là. Qu'est-ce que c'est? Bon, on s'en fout. Le jeu est en multilangue. Je vais récupérer aussi le Mortal Kombat Complete Edition avec un K. Complete Edition, ouais ça. Il est en français avec le Finish Him. Donc il est complet celui-là. Et là, c'est de la Xbox One, donc je vais récupérer. Bon, moi, ça, je crois que je me l'ai donné. Hein. C'est le Shape Up sur Xbox One. Il est en français, je crois, ouais. Oui, il est en français, bien sûr, il est en français. Je vais récupérer aussi le Dead Rising 4. Hop, je suis à la mise au point, comme ça sera plus agréable. Je vais récupérer le Dead Rising 4. Bien sûr, en français et à l'intérieur. Mon batteur, il n'y a plus une notice aujourd'hui. Et le dernier jeu que j'ai récupéré, par contre, il est dégueulasse là, ici, là. C'est The Disney Classic Game Aladdin et le Royaume. Donc, c'est un classique. Les jeux de la Mega Drive et de la Super Nintendo qui sont intégrés. Par contre, eux, la Xbox, ils ont mis le CD de l'autre côté. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. À Xbox One, ils mettent le CD de côté. Je vais inverser les trucs. Et c'est pas tout ce que je vais récupérer. Parce que j'ai dit de revenir. Il m'a reconnu, apparemment il m'a dit j'étais youtubeur, tout ça, oui, je lui ai confirmé, hein. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Enfin, si on le voit dans la vidéo, je sais pas s'il est filmé. Du coup, je vais récupérer quoi comme jeu? Bah, les jeux NES, NES Café. Alors là, on reconnaît pas parce que c'est pas marqué dessus, l'autocollant est complètement déchiré, mais c'est le Power Blade. Donc il est réédité. Bon, ça va partir à l'échange avec Alex Zemmour qui est intéressé. Du coup, on va échanger le jeu. Il est en loose. Il est quand même déchiré sur le côté, mais c'est le Power Blade sur la NES. Et le deuxième jeu que j'ai récupéré sur la NES, c'est un jeu qui a fait rager beaucoup de monde, et surtout le jour du grenier, c'est Teenage Mutant Hero Turtles. C'est le Tortue Ninja. Je ne sais plus comment ça s'appelait. J'avais un trou d'un seul coup. Enfin, vraiment. Donc c'est le Tortue Ninja sur la NES. Bon, bah, il n'est pas complet. Il a dû acheter à cash, hein, ça, ce truc. Hein. Bon, je l'ai payé en tout. Alors, oui, j'ai oublié de préciser les prix. Ça, j'ai payé 10 euros les 5 jeux, 2, 4, 5. Ça, je l'ai payé 10 euros. Donc 5 et 5, 10. Et après, c'est pas tout ce qui m'a sorti. Il m'a sorti les jeux PlayStation Vita. Donc il m'a sorti le Need for Speed Most Wanted. Hop, vous voyez, avec même une petite notice. Donc ça, c'est bien. C'est en français, bah, il l'a acheté à Cash Express. Donc ça sera à retirer. Hop, on va retirer cette merde. C'est dégueulasse. Hop, ça sert assez facilement, c'est bien. Je vais récupérer aussi le Minecraft sur PlayStation Vita Edition. Il est complet puisque il n'y a rien d'autre. Et il est en français. J'ai oublié de dire les numéros. C'est le PCSB 183 et le 560 pour le Minecraft. Et le dernier jeu que j'ai récupéré sur la PS Vita, c'est le Resistance Burning Skies. C'est le numéro 142. Il est complet, mais il a la même étiquette. Ah, il a acheté 12,99€, il lui a donné 15€ en espèces, il lui a rendu 2,01€. Et il a acheté le 26 juin, ah bah tiens, 2014. Ah, c'est marrant parce qu'on est le 26. Ah, la coïncidence. Il a acheté le 26 juin 2014. Et on est le 26 juin 2022. C'est marrant la coïncidence. C'est un peu bizarre. Ça fait bizarre. Des fois, il y a des coïncidences, et là, parce que c'est bien l'étiquette qu'il y a dessus. Hein.
Regardez, je vous fais montrer parce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas croire. Voyez, c'est bien marqué 26-6-2014 et on est le 26-6-2022. Et c'est bien le Résistance sur PS Vita. Incroyable, incroyable les coïncidences dans la vie. Donc la cartouche est à l'intérieur, le jeu est en français. Mais ce n'est pas tout. Oh oui, il y a aussi, bon, j'ai mal remis parce qu'il s'est cassé un peu la gueule, une PS Vita. Bon, la boîte, hop, elle s'est cassée un peu la gueule. Mais il y a une PlayStation Vita avec même un petit du truc pour protéger la console. Et la console, elle est ici. Donc voici la PlayStation Vita, par contre elle n'est pas chargée, donc je ne sais pas si elle va s'allumer, ça va être la grande surprise. J'ai essayé de l'allumer là-bas, mais bien sûr, comme il n'avait pas chargé, ben, voyez, ça ne s'allume pas. Donc ça aussi, je pense qu'on va faire l'objet d'un crash test. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup de faire un crash test, parce que ça n'a pas duré longtemps. Ou alors je fais un crash test des deux, c'est-à-dire de la Xbox 360 que j'ai récupérée et de la PS Vita. Donc j'ai payé ces 3 jeux plus sa console avec la boîte, j'ai payé ça 50€. Bon. C'est pas un petit prix quand même, hein. Mais au moins c'est des jeux de qualité et surtout qu'à l'intérieur, un truc intéressant, c'est qu'il y a une petite carte mémoire de 16Go. Donc ça, la carte mémoire de 16Go, ça je vais la garder pour moi parce que la mienne elle faisait, je crois, 4Go, un truc comme ça, même pas, peut-être même 2Go. Donc c'était de la merde, je me rappelle déjà à l'époque c'était de la merde, donc ça sera peut-être plus agréable. Et si elle se trouve peut-être surprise à l'intérieur, il y aura peut-être des jeux, peut-être qu'il a téléchargé des jeux. Bon, elle est dans un état impeccable. Ouais, il y a juste une rayure quand même à l'arrière. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Soit on fait un échange, soit directement je le vends. Et je crois que c'est tout avec lui, ce que j'ai récupéré. Il me semble que c'est tout parce qu'il y avait d'autres jeux, mais j'avais plus assez d'argent, donc du coup j'ai laissé tomber. Autre chose que j'ai récupéré, mais qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo, mais qui pourrait s'en approcher, surtout avec Call of Duty ou Battlefield, que j'ai récupéré d'ailleurs Battlefield, c'est une grenade. Ouais, je vais pouvoir tuer les gens avec des ratisseurs. Donc comme j'en avais marre des ratisseurs, je me suis dit bof, je balançais ça à des ratisseurs et puis boum, on s'en débarrassait. Non, en fait c'est juste un briquet, hein. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, il y a un bouton là, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il faut appuyer sans doute sur des boutons, je sais pas. Bon, enfin bref, ça doit être vide. Ça doit être vide en essence, je pense, le bruit. À mon avis, ça doit être vide. Donc c'est une fausse grenade, bien sûr. En forme de briquet, vous avez normalement il va y avoir le truc qui doit sortir ici, mais bon, je sais pas comment ça marche. C'était juste pour la déco, c'est beau. Bon, après, peut-être que je mettrai un peu d'essence de briquet pour pouvoir l'allumer, pour pouvoir frimer avec ça. Et si je mets ça dans une brocante, je pense qu'il y a des gens qui vont flipper. Et au moins, il n'y aura plus de ratisseur. Bon, bien sûr, je vais pas faire ça. Hein. Et bien sûr, après cette grenade que j'ai récupéré enfin de la PlayStation. Et oui, j'ai récupéré de la PlayStation 3, des jeux PlayStation 3. Donc j'ai récupéré. Ah bah tiens, ça a été acheté à Micromania, je reconnais ça. J'ai récupéré ce Sonic Sega All-Stars Racing. Donc ouais, c'est bien mon jeu, j'ai eu peur parce que comme c'est des trucs Micromania, les écritures comme ça, généralement, c'est Micromania. Mais bon, ça va, c'est un jeu essentiel. Il y a le CD essentiel. Bon, il y a la notice qui va avec. Donc c'est le Sonic Sega All-Stars Racing. Et j'ai pas la marque Transformed. Je pense que ça doit être la même chose. Hein. C'est bizarre. C'est le Bless 1646. On va regarder. 1646. Sinon, c'est la bonne notice. Ça doit être en anglais. Ils ont dû l'appeler Transformed. Et chez nous, ça doit s'appeler Racing. Je sais pas pourquoi ça a changé de nom par rapport à la notice. Donc, c'est le Sonic et Sega All-Stars Racing. On a tous les stars de la saga de Sega chez Sega. C'est le Bless 750. Attendez, il y a un truc qui va pas. Ah, ça va pas du tout en fait. Oui, non, c'est bien, c'est ce que je pensais. Ça va pas du tout. En fait, là, c'est la jaquette de. En fait, c'est Micromania, ils se sont bien trompés. Voilà, comme d'habitude, c'est ce que je pensais. Il y a toujours une couille avec Micromania. Regardez. C'est le Sonic et Sega All-Stars Racing, et à l'intérieur c'est, boum, c'est le Sonic All-Star Racing Transformed. C'est pas du tout la même chose. Vous regardez le Bless, c'est le Bless 1646E. La notice, c'est une notice 1646. Et à l'arrière, et la jaquette, c'est une 750. Donc bravo Micromania, vous êtes des incompétents. Donc la boîte est malheureusement en anglais, bon on s'en fiche. Hein.
À la limite, je trouve la jaquette, je vais photocopier une jaquette, ou alors je trouve la jaquette de Sonic All-Stars en édition essentielle, et puis voilà, ça fera l'affaire, hein, tant pis. Tant pis pour moi, il fallait garder avant, tant pis, c'est pas grave, faut pas pouvoir payer. Là, on va commencer sur la gamme la plus intéressante. Ah oui, c'est la jaquette qui se casse la gueule, là, j'aime pas ça. Hop, on va la remettre en place, ça va s'abîmer. J'ai récupéré le Saint Seiya. Donc le Saint Seiya, les chevaliers du Zodiac, la bataille du sanctuaire sur la PlayStation 3. Il est en super bon état. C'est le Bless 100 1421. Et il est en français. Alors Cosmo brûle encore. On va voir si j'ai pas regardé l'intérieur. Ouais, il y a la notice. Si on a vu le poids. 1421. Donc c'est bon. Et le CD est en bas état. Il y a juste une empreinte qui est dessus. Donc ça, c'est pas très grave. Donc ça, ça rentre dans le full set PS3, le Saint Seiya. Donc celui-là, c'est fini. Je pense pas qu'il soit sorti en essentiel ni en platinum. Et le dernier jeu PS3 que j'ai récupéré, quand même intéressant, c'est le Disney Epic Mickey. The Power of Two. The Power of Love. Donc il est en double langue, c'est-à-dire en néerlandais et en français. Bon, après, ça me dérange pas. On s'en fiche. Le Epic Mickey, il est complet. Le Epic Mickey 2, pardon. C'est bien le bon CD qui est dedans. Je sais jamais avec une commandière, hein. C'est tellement teubé des fois. C'est le numéro 1627. 1627, je vais être sûr. Et du coup, 1627. Donc c'est bon. Voilà. Donc celui-là, le Epic Mickey 2, c'est Power of Two. Le Saint Seiya, la bataille du sanctuaire. Et le Sonic Sega All Stars Racing sur la jaquette et Transformed sur le CD. Je les ai payés 10€, donc c'est à peu près 3€ et quelques le jeu, ça reste très raisonnable. Surtout que ceux-là, ils sont comment? Ils commencent un petit peu à être cotés, ces deux-là. Hein. Le Saint Seiya et le, surtout le Epic Mickey 2, qui commence à être bien coté, celui-là. Et vers la fin de la brocante, j'ai commencé, j'ai rencontré une personne que, connaissais, que j'avais vu plusieurs fois dans les vide-greniers. Et du coup, j'ai fait un peu le vide-grenier avec lui, un petit chemin avec lui. Et du coup, j'ai récupéré quelques jeux Nintendo 3DS, mais sous blister. J'ai récupéré le Animal Crossing Happy Home Design. Vous voyez, il y a le petit liseré. Je l'ai payé 5€. Il est en français. Et là, c'est un titre très intéressant. C'est le Star Wars The Réveil de la Force sur Nintendo 3DS. Pareil, sous blister. Bon, lui, il n'a pas un liseré parce que c'est pas un truc de chez Nintendo. Donc, je crois que les Nintendo, ils n'ont pas de liseré, eux. Mais c'est un blister officiel. Donc, revivez les plus grandes aventures de la saga de Galaxy. Et avant, je voulais partir, et puis je me suis dit, bon, je vais faire un dernier tour. Et j'ai bien fait d'avoir fait un dernier tour, parce que je suis retourné voir le PP, et le PP, il avait d'autres jeux cachés dans sa valise. Et il avait ceci, un Resident Evil Révélation, donc avec un S. Donc c'est, c'est plusieurs révélations au pluriel. Donc il a, lui, le liseré, putain, il est bien tendu, comparé aux autres blisters, hein, il est bien tendu celui-là. Hein. Je me demande si c'est un vrai. Ouais, il y a le liseré, donc... Après, j'ai un doute. Je vous avoue que j'ai un doute sur celui-là. Ouais. Je sais pas si c'est un vrai liseré celui-là. Donc, c'est le Resident Evil Révélation sur la 3DS. J'ai récupéré aussi pour 5€. Hein, celui-là, 5€ aussi. Mais j'ai négocié après à la fin, je crois. J'ai fait un prix, vous verrez. Je crois que j'ai fait un prix. Il m'a fait un prix à la fin. J'ai récupéré encore sous blister le Dead or Alive Dimensions. C'est bizarre, ouais. ils ont le même liseré au même endroit, je sais pas, c'est chelou. Je me demande si c'est des vrais d'un seul coup. Je commence à me poser des questions. Donc c'est le Dead or Alive Dimensions. Il est sous blister. Donc il est en français. J'ai payé 5€. Moi je vous dirai le prix à la fin parce que j'ai fait 5,5 et du coup celui-là je l'ai eu à moins de. Le dernier que là, je vais vous montrer, je l'ai eu du coup à moins de 5€, donc j'ai dû l'avoir à 3€. Et c'est pas un titre de merde. C'est le Pokémon Lune. Et là, je croyais pas qu'à cette heure-là, vers 11h, il existerait encore. Hein. Je pense qu'il était 11h, 11h30, il me semble. Et je n'ai pas filmé parce que je n'avais plus de mémoire. Donc, j'ai dû filmer peut-être ça. Et après, quand je suis revenu, ben, il y avait ces trois-là qui étaient dans sa valise. Donc, après, sur là, j'ai un gros doute s'ils existeraient sont vrais parce que. J'ai un gros doute. En tout cas, celui-là, ça a l'air d'être vrai, celui-là. Et celui-là, non, j'ai pas l'impression. Bon, moi, je me trompe. Hein. Bon. C'est une connerie. Voilà, un Pokémon Lune. Bon, on va dire, alors je les ai eu, je crois que je les ai eu à 12€ le tout.
Donc ça fait à peu près 4 euros le jeu, je crois. 4, 8, 9, 10, 11, ouais, ça fait 4 euros le jeu. Donc j'ai eu un Pokémon Lune sous blister en français, oui, en français. Sous blister, donc à 4 euros. Donc bon, on se refuse pas. C'est assez rare que ça reste encore à cette heure-là. Et voilà, c'est tout ce que j'ai récupéré, ce qui est quand même pas mal du tout pour un vide-grenier à Courbevoie. Donc j'ai récupéré 2, 4, 5 jeux 3DS, 3 jeux PS3, 3 jeux PS Vita, une PS Vita, une grenade. J'ai payé 5 euros, je sais pas si j'avais précisé cette grenade. J'ai payé 5 euros, elle était vraiment belle. 2 jeux Nintendo NES. D'ailleurs, un jeu qui est réservé, celui-là, il est réservé pour Alex Gaming. Donc ce jeu-là a été réservé à Alex Gaming, comme tu m'as demandé. Après, il y a, je ne sais plus combien de jeux... Xbox One, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 jeux Xbox One et 1, 2, 3, 4, 5 jeux Xbox 360. Plus une console, bon, je ne peux pas vous la montrer parce que sinon ça va se fracasser la gueule. Du coup, voici ce compte-rendu terminé. J'espère que ça vous aura plu. Alors, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous, les amis. Ça commence à putain de bien monter, là. 260, merci à vous, les gars. Ciao. Les gars et les filles, bien sûr. Ciao.